Salut, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Around Burge. Merci de vous abonner. Je défie quiconque qui peut me démentir. Là, à l'hôpital, voir ce qui se passe. Laissez cette affaire de tourner sur les rues pour tromper les gens. Non, l'alternance n'est dirigée par deux personnes. Nous voulons que M. Faure Gnassingbé devienne ancien président, comme les autres pays. Les jeunes du parti au pouvoir, au moins pour cette fois-ci, ils disent qu'ils ne veulent pas de nouvelle constitution. Même s'ils ne peuvent pas le dire publiquement, ils disent dans les coulisses. Nous avons dit non, le peuple n'en veut pas. Nous sommes allés dans tous les cantons de la préfecture de Thun pour sonner. Les populations disent, nous ne voulons pas de nouvelle constitution. Nous ne voulons pas d'un nouveau régime. Il faut d'abord évaluer le régime avec lequel vous avez dirigé le pays pendant ces 8 ans pour nous dire les insuffisances avant de nous proposer un nouveau régime. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'il n'y a pas de patriotes au sein du gouvernement. Le RPT, il y avait des militants. Réunir, c'est des opportunistes. Il faut mettre fin à ça. L'opportunisme tue le pays. C'est tue parce que les couches les plus défavorisées n'ont plus rien. On les torture, on les empêche de s'exprimer. Est-ce que c'est normal? Comment quelqu'un qui a fait et vous lui dites non? Quelqu'un qui voit que le chemin que vous avez emprunté n'est pas normal, il dit non, vous le torturez. C'est les affectations punitives. On a allé même licencier des peuples d'enseignants qui demandaient leur mise-être. Est-ce que c'est normal ça? J'étais le seul jeune de la région de Savannah à dire à M. Faure Gnassingbé, le président de la République, qu'il devait se remettre au-dessus de la mêlée et reprendre ses enseignants. Nous allons continuer ce combat si nous sommes au Parlement. Ouais. Mais 116 enseignants, si chacun a 5 personnes en charge. Quand tu fais 116 fois 5, c'est des milliers de personnes qui sont dans la rue. Est-ce que c'est normal? Non. On met des gens, des autorités en place, qui doivent aider à la bonne marche de l'État. Ils se dirigent en lion, ils torturent, ils dénigrent, ils empêchent le peuple de s'exprimer. La plupart des jeunes de la préfecture de Thun sont souvent convoqués devant les autorités à cause de leur opinion sur les réseaux sociaux. Mais dites-nous, dans quel état on peut aller jusqu'à contrôler les réseaux sociaux, là où pratiquement tout est banal? Est-ce que c'est normal? Non. Nous allons desserrer l'étau pour permettre à chaque citoyen togolais de s'exprimer librement. J'ai demandé à mon équipe que je ne veux pas d'insultes lors de la campagne. Nous allons vous présenter notre projet de société qui défie toute concurrence. Nous avons 11 listes en liste, comment on appelle, dans la préfecture de Thun. Il n'y a pas une seule liste qui a notre projet de société. Il n'y en a pas. Les gens se cachent derrière le parti. Ils vont vous dire, votez, qu'est-ce que si vous votez, ils vont voter pour Faure Gnassingbé. Monsieur Faure Gnassingbé n'est pas candidat aux élections législatives. Est-ce qu'il est candidat? Ça, c'est de la gaminerie, c'est de l'enfantillage. Le chef de l'État ne viendra pas dans nos coins et recoins pour recenser les problèmes et remonter au niveau du gouvernement. Est-ce qu'il viendra? Et si vous votez le chef de l'État, vous allez trouver ces gens où? Vous avez vu un seul qui a fait sa photo comme nous avons fait pour nous? Il ne fera pas. Alors, est-ce qu'ils veulent que vous le connaissiez? Non. Si c'est le chef de l'État, laissez-le de côté. Il est le chef de l'État de tout le monde. Où est-ce que je m'en? Votez la majorité du peuple en donnant la majorité à la DNP dans la région des Savannes. Acclamez pour eux. Si la DNP est majorité, nous ferons un vrai dialogue togolais. Le Togo est très profond. Je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo. Par un message adressé à la population par l'honorable Thierry Tema qui explique un peu les élections régionales. Nous connaissons tous les élections législatives, donc il va expliquer mieux l'avantage ou bien tout ce qui concerne les élections régionales. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Ce qui est sûr,
on attend la promulgation et puis on voit la lieu où les choses se passent. Sûrement que le chef de l'État va juste retirer le test et puis on va nous dire pour matin que non, le test est retiré et on continue avec l'ancienne constitution de 1992, les gars. Voici la suite de la vidéo pour vous et n'oubliez surtout pas de vous abonner, les gars. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, bonjour. Comment rendre nos régions autonomes et productives avec des conseils de région qui façonnent le sort de plusieurs préfectures en même temps, rendant leur développement harmonieux et endogène? Je trouve, à titre personnel, que nous n'avons pas suffisamment expliqué la décentralisation et surtout les élections régionales dans notre pays. Donc, je vais prendre mon premier temps de parole aujourd'hui pour faire un peu de pédagogie, expliquer la région, expliquer l'enjeu des élections régionales. Et donc, on prend la décentralisation au niveau de notre pays, nous avons deux niveaux de décentralisation, la commune et ensuite la région. La région, en réalité, c'est ce qui échappe au contrôle de la commune. Donc, vous avez les préfectures et plus au-dessus, vous avez la région. Donc, qu'est-ce que la région en tant qu'identité territoriale? La région a des compétences qui échappent au contrôle de la commune. Il s'agit de développement territorial, il s'agit de développement économique, il s'agit de la formation professionnelle, il s'agit de la construction et de l'entretien des lycées. Donc, vous allez me demander, ben, finalement, quel est l'intérêt de faire des élections régionales? Le premier intérêt, bien entendu, c'est de confier à la région les compétences dont je viens de vous parler. Ensuite, vous avez un autre intérêt pour les élections régionales, c'est que, comme vous le savez, au Togo, on a deux chambres pour le Parlement. Nous avons l'Assemblée nationale, vous la connaissez, et nous avons le Sénat. Mais pour mettre en place le Sénat, il faut faire des élections indirectes au niveau des élus locaux. Pour le moment, on a donc les conseils municipaux. Il faut faire donc les élections régionales pour avoir les conseillers régionaux afin que les deux types d'élus puissent élire les sénateurs au travers d'un scrutin indirect. Et une fois que le Sénat sera mis en place, ils vont élire les deux autres membres de la Cour constitutionnelle pour avoir une Cour constitutionnelle complète. Comment ces élections se feront? Elles se feront dans les 39 préfectures. Et une fois les conseillers régionaux élus, ils iront au niveau du chef-lieu de la région pour constituer le conseil régional, avec à la tête un président de conseil régional, plusieurs vice-présidents de conseils régionaux, ainsi de suite. Je pense que c'était important que je prenne mon temps de parole pour vous expliquer ce que nous appelons aujourd'hui élections régionales. Le NET est présent dans 18 préfectures. Dans ma prochaine communication, je vous citerai les 18 préfectures dans lesquelles le NET présente des candidats. Ces candidats qui sont jeunes, hommes et femmes, viendront vous voir pour vous parler de leur projet. C'est des jeunes, ils mettront prioritairement le porte-à-porte parce que c'est le porte-à-porte que nous faisons, aussi parce que nous avons des ressources plutôt limitées. Ils vous parleront de leur projet. Ils vous parleront des projets de chaque région, de chaque préfecture, parce que chaque préfecture a sa spécificité. Chaque région a sa spécificité. Donc chacun viendra vous dire en quoi est-ce qu'il a intérêt de lire leur liste. Mais nous, au niveau du parti, nous avons trois éléments qu'on va partager avec vous. Le premier, c'est la collégialité. Nous considérons que les prochains conseils régionaux doivent apprendre à travailler dans la diversité. Le deuxième élément, c'est l'utilité. Nous ne mettrons pas en place des conseils régionaux pour qu'il n'y ait pas de différence entre le développement des régions avant et après la mise en place de ces conseils régionaux. Et le troisième élément, c'est l'ouverture. Aujourd'hui, il est très compliqué pour qu'une région se referme sur elle-même. On a la coopération internationale décentralisée. Nous comptons sur ces régions-là pour attirer des partenaires, des financements pour développer nos régions. Voilà. Donc, nous avons ces trois mots, collégialité, utilité, ouverture. Demain, sur le terrain, vous les entendrez, ces jeunes, qui vous parleront de leur projet et qui vous parleront de ces trois mots. Et si vous avez envie d'avoir des régions demain qui soient autonomes, qui soient efficaces, qui soient productives, qui rayonnent, il n'y a qu'une seule liste, il n'y a que la liste du NET. Voilà. Je ne peux que vous remercier et compter sur vous pour réserver un bon accueil à nos militants. Je vous remercie et à très bientôt. Et Ndak Pena Messiane, Mima Pompo Soubon. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
metel bané te bar baatu ko de de ke imam ban france ne wa de ko anata te ban te bal ba te kete no boron ke imam ba ay wala te lenja na na sen toti bi wa te birgina nerma. Nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez retenu quelque chose concernant tout ce que l'honorable a dit. Et en attendant le 29, vous savez quoi faire, les gars. Et je vous souhaite bonne suite de semaine. Et on se capte dans une nouvelle vidéo, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo entière. Et bye bye, les gars.